Cette semaine à la zone vibre. Bonsoir, ici Jean-Trantois Téfine, bienvenue à la Zone Vibre. Cette semaine, nous sommes à Prataraga, capitale du Snowdon. Ici, presque la moitié des travailleurs ont encore les chaînes aux pieds. Ce n'est pas très pratique d'avoir les chaînes aux pieds, regardez. À chaque pas, la chaîne se tire. On donne dans les écoles un enseignement approximatif. Combien y a-t-il de continents dans une ouvre-boîte? 724. Et dans quel pays se trouve l'autre bord de la rue? Paul Pichet. Bravo, les enfants. Le revenu moyen d'une famille ne suffit pas. Il faut appeler au gouvernement pour assurer sa survie. Ici le gouvernement. Je voudrais assurer ma fille. Et quel est son nom? Survie. Survie qui? Survie Poitras. Donc vous voulez assurer votre survie. Ce médecin de village utilise des méthodes ancestrales basées sur des incantations. Mais on ne le prend plus très au sérieux. Certains l'appellent même le con. Lorsqu'il s'approche, on dit « Attention, il y a un con », d'où le terme incantation. Cette femme prépare le repas. Elle doit scier les 2x4 de sa propre maison pour tailler les baguettes qui serviront d'ustensiles, faute de pouvoir s'en acheter. On peut la voir ici râper ses carottes avec sa thermopompe. Ici, une fourchette va chercher dans les 900 000 US. À ce prix-là, ils peuvent bien la garder. Le soir, avant d'aller dormir, il faut chasser les scorpions. Dehors, les scorpions. Les Verseaux et les Balances aussi. Selon les traditions funéraires, cette famille pleure le père disparu en jouant à « Je te tiens par la barbichette ». Tu es prêt? Allons-y. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Tu as ri. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.